Paul Verlaine, colloque sentimental. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, de spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible, où nous joignions nos bouches. C'est possible. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui vaincu vers le ciel noir. Tels ils marchaient dans les avoines folles. Et la nuit seule entendit leurs paroles. Passez-moi votre mouchoir. Il a l'air très blessé. Ne dites donc pas des choses inutiles. Nous tournons le dos à l'hôpital. Vous n'imaginez pas que je vais conduire cet enfant à l'hôpital. Ne le touchez pas. Qui m'avait dit de monter dans votre voiture? Les hommes qui ont renversé ce gosse. Seriez-vous bête? Je vous prie de ne plus me poser de questions. Alors maintenant, tu vas me dire les raisons de ce voyage et de ce rendez-vous mystérieux. Alors que tu aurais très bien pu venir à la maison. Je ne tiens pas à rencontrer mon futur beau-frère. Et pourquoi? Et je voulais savoir si tu allais te marier. Mais ça ne te regarde pas. Même ta demi-sœur. Monsieur Barrois est au courant de tout. Mais enfin, d'où te vient cet intérêt subi pour un homme que tu ne connais pas? Cet homme veut t'épouser. Au lieu de se contenter d'être ton amant. Lui as-tu dit la vérité, oui ou non? Bien sûr.
Pourtant, on ne te connaît ici que sous le nom de Moreux. Ah oui, oui, Jacques a pensé que c'était préférable. Étant donné que j'abandonne le métier, ça nous évite le petit couplet à... Non. En somme, tu es venu pour ça. Oui. Pour protéger un étranger. J'ai quelquefois le sens du devoir. Sans bénéfice pour toi? Alors, tu as bien changé, Caroline. Et c'est peut-être mieux comme ça. Monsieur. Je vous écoute. Avez-vous écrit? Ce corps qui nous contient ne connaît pas les nôtres. Qui nous habite est habité. Et ces corps, les uns dans les autres, sont le corps de l'éternité. Je reconnais l'avoir écrit. Et de qui tenez-vous ces choses? Quelles choses? Les choses que vous dites dans cette langue ni vivante ni morte. Personne. Vous mentez. Je vous l'accorde, si vous admettez comme moi que nous sommes les serviteurs d'une force inconnue qui nous habite, nous manœuvre, nous dicte cette langue. Il n'est pas impossible qu'il soit idiot. Les intellectuels sont moins à craindre.